dans le projet Added Value, mon objectif c'était de travailler sur la valeur ajoutée de l'artiste. Donc, quelle est la valeur du travail de l'artiste par rapport à quoi? Là, j'ai choisi, c'est par rapport aux ingrédients, c'est-à-dire aux objets que j'allais utiliser dans mon travail et par rapport au temps passé. J'ai choisi de faire un facteur multiplicatif de 5 pour avoir le prix final. Pourquoi 5? Parce que j'ai constaté que à Paris, on prenait un thé. Ça pouvait être 5 euros, alors que le prix de revient, même temps passé, n'était pas supérieur à 1 euro. Donc je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que l'artiste ait un salaire, un bénéfice inférieur à quelqu'un qui ne fait que délivrer mécaniquement un thé. Et donc, j'ai choisi ce facteur multiplicatif de 5 qui peut être considéré peut-être comme le facteur minimum de rémunération du travail de l'artiste. C'était bien sûr sur l'instabilité, un petit peu du modèle chinois, le fait des constructions comme ça, des fois très très hautes de tours qu'on peut voir fleurir en Chine, avec bien sûr ce danger, cette instabilité qui est soulignée par ces plats de nouilles très piquantes. J'ai choisi une pompe à vélo avec des sacs poubelles pour montrer que les vélos allaient bientôt disparaître et qu'il n'y avait plus besoin des pompes à vélo, qu'on allait pouvoir les mettre à la poubelle en Chine. Donc là, c'était l'idée un peu du gouvernement chinois qui peut protéger sa population, éradiquer les parasites éventuellement, rappeler à l'ordre les gens. Bien sûr avec le pot de colle pour le petit tube de colle qui a le symbole chinois de l'étoile rouge pour unir les personnes avec la ceinture comme ça aussi pour maintenir les choses. Et comme les visiteurs c'est beaucoup des Chinois, bien sûr ils peuvent s'y retrouver grâce à ce petit miroir aussi dans cette sculpture. Les occupations, le loisir des Chinois, donc à la fois la volonté d'être en forme avec les instruments de sport et puis aussi le jeu avec le jeu de cartes. Sur le thème de la beauté en Chine, j'ai choisi que des objets roses un petit peu voyants avec des chaussures à fleurs, le fer à friser, un petit peu de rouge à lèvres. C'était un petit ensemble sur la qualité de la vie, la pollution. La pollution avec ces bombes là, on pense, qui sont là pour donner une bonne odeur, mais qui en fait sont souvent très très polluantes. Le cendrier, bien sûr, qui n'est pas très bon pour la santé, en fait, malgré ce qui est indiqué dessus sur la santé délicate. Et puis ensuite, le wok, parce que bien sûr, il y a plein de denrées alimentaires en Chine avec des produits qui proviennent de sols parfois pollués. Avec cette idée que ce qu'on mange aussi n'est peut-être pas si bon. Voilà. La thermos, qui était très populaire dans les dernières années en Chine, qui était utilisée bien sûr tous les jours pour transporter son eau chaude, utilisée par les Chinois très régulièrement. Bien sûr, mais toutefois, cet ustensile a passé de mode actuellement. Et je l'ai mis surmonté d'un tire-bouchon rouge aussi, pour bien sûr symboliser le fait que les habitudes allaient changer et qu'on allait passer de boissons traditionnelles à une consommation sans doute supérieure de choses comme le café ou le vin par exemple. Cette sculpture elle est sur la poétique extérieure chinoise. Donc la poétique extérieure chinoise pour moi elle est à la fois faite de diplomatie et de force. Donc là c'est pour ça que j'ai choisi ces munchaku, instrument traditionnel en Asie. Pour impressionner l'adversaire. Ensuite, les gants rouges qui sont vraiment plus agressifs que les gants blancs traditionnels. Et puis à chaque fois, bien sûr, le rouge, ça fait penser à la Chine avec son drapeau. Pour l'échiquier international, j'ai choisi un jeu d'échecs chinois. Et ensuite, un petit récipient de pâte à modeler. Voilà, normalement, un petit récipient pour enfants, mais là, comme ça, la pâte à modeler, vraiment avec l'idée que. Essayer de modeler l'environnement extérieur comme il le souhaite. Voilà. Cette série-là d'objets en fait est sur le thème de l'argent, du business en Chine, donc d'où la calculatrice.
service. Le fait, bien sûr, comme pour l'argent, le temps, c'est, le temps est précieux, etc., cette horloge dorée. Ensuite, la petite enveloppe pour mettre les billets de banque traditionnels et ses offrir. Et comme bien sûr, il y a une compétition féroce pour dans le business, ce cutter qui peut permettre non seulement d'ouvrir les enveloppes, mais aussi de se battre avec les concurrents s'il en était besoin. Pour moi, c'est drôle de voir quand les gens traversent la frontière, faire l'espoir à d'autres pays. La marque culturelle est toujours bien présente dans la représentation de l'expo. Beaucoup de trucs sont vraiment trop magnifiques. J'adore. Avec le cœur chinois. Pourquoi? Avec ton système de 5 fois. C'est trop cher. Là, c'est trop cher et alors pour eux, c'est trop bon marché. Mm-hmm. Par exemple, pour un tableau, le coût est 300 et il ne peut pas vendre à 1500, c'est trop bon marché. Il gagne trop peu. Et pour lui, c'est trop cher ou c'est pas assez cher alors une sculpture? Non, pour lui, je l'ai dit, tu peux entrer ton coût de dehors aussi. Le coût de ma tessière pour la peinture, c'est seulement 400. Ouais. Donc dans ce cas-là, je lui ai dit, mais combien d'heures tu devrais consacrer à ton tableau? Donc il a calculé et il trouve que ton système lui va très bien. Si il entre une heure, c'est 400 dollars pour lui. Pour lui, c'est 400 dollars. Oui, donc ça va.